Bonjour, on se retrouve dans la veille métavers et économie sociale et solidaire du mois de janvier 2024 et lien d'accès à ce que vous allez voir dans la description de la vidéo. La petite flèche en bas à droite vous permet d'accéder aux autres salles et donc des mois d'éveil des mois précédents. On va commencer la visite. Donc, ici c'est un petit panneau d'information sur l'utilisation du métavers 2D à visioconférence de Gazerton, où on se trouve actuellement. Et voici la série d'articles auxquels on peut accéder. D'abord, dans le secteur social, on clique sur le lien. Ici un article sur la suppression de l'ASS par un collectif. À partir du mois de février, le montant net social. Donc une nouvelle notion à intégrer. La sortie d'un livre. Sur la précarité et le travail. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on ouvre avec la touche X, on accède à l'article en cliquant sur le lien qui apparaît sur le post-it jaune. Ici, c'est un événement qui a lieu à la fin du mois. On est en février, là. 27 février. Un débat sur les coopératives d'activité et d'emploi vers un salariat sans subordination. Ça se passe à Paris et il doit y avoir un lien d'inscription. Le dossier de, je crois que c'est la Fondation Emmaüs, le PDF, l'état du mal logement en France en 2024. Voilà, il y a 338 pages téléchargeables. Le gouvernement Attal, déjà des inquiétudes dans le SS. C'est un article de Mediatico. Donc un point, mais bon, on le savait déjà sur le fait que quand elles sont pas criminalisées, les associations n'existent pas. De toute façon, il n'y a pas de poste au sein du gouvernement dédié à la vie associative. Ça veut tout dire. Et enfin, un article sur les chatbots le fait qu'ils ont plutôt tendance à isoler qu'à être des outils de lien social, en fait, hein, puisque les gens qui sont confrontés dans les administrations, notamment, à des chatbots pour obtenir des informations, s'arrachent les cheveux, tout simplement. Et vous avez deux petites possibilités de sortie. En fait, on revient à la salle principale qui donne accès à toutes les veilles ESS qui ont été faites là depuis quelques mois. C'est une plage. Donc il y a différents accès. La trappe vous permet d'aller au mois suivant, et là c'était le premier mois, alors je sais plus quel mois c'était, ça devait être en début milieu d'année dernière. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter via les liens, via mon site internet. De toute façon, il est mis à plusieurs étages,
Si vous avez des questions, bah, soit sur le métavers de Gazerton, soit sur sur la veille ESS, tout simplement, si vous avez besoin de compléments d'information. Là, je ne fais que citer succinctement les articles, mais bon, vous verrez, intéressez-vous-y, ils sont toujours plein d'informations utiles. Voilà, à très bientôt.